Oui, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par cette chaleur. Oui, je reviens vers vous pour vous reparler du projet Le Cahier des Régions. Donc, ce matin, je suis allée à Carrefour et j'ai acheté ce cahier. Voilà. Tout au point basique, hein, vous voyez. Avec des pages comme ça. Ah, bah tiens, on peut même les enlever. J'avais pas fait attention que c'était perforé. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. Donc, sur la première page, j'ai pris la spirale parce que ça va mieux. Vous voyez, vous pliez comme ça. Je mettrai cahier. Alors, attendez, ici, j'écrirai cahier des régions. Je ferai mes pages. Et puis, eh ben, j'espère avoir du monde pour ce projet. Alors, je vous réexplique pour celles ou ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de hier. Donc, ce petit cahier région, ben, je l'enverrai jusqu'à. J'y ferai peut-être partir la semaine prochaine. Dès que j'aurai des candidates, j'en ai que deux pour l'instant, non, une pour le moment. Donc, dans ce cahier, vous y mettez des cartes postales de l'endroit où vous habitez. S'il y a des spécialités culinaires, n'hésitez pas à les mettre aussi. Vous pouvez faire une presse de présentation avec votre nom, prénom, là où vous habitez. La ville uniquement, hein, votre adresse postale. Ne marquez pas ni numéro de téléphone, surtout pas votre numéro de téléphone, hein, non, non. Uniquement vos coordonnées postales et terminé. Voilà. Et vous pouvez mettre une photo de vous si vous voulez, c'est pas une obligation. Et après, à la fin, vous pouvez faire entre deux ou trois, même quatre pages si vous souhaitez. Vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. Hein, il y a 160 pages, donc ça devrait quand même faire un joli petit cahier. Hein. Donc le projet commencera dès que j'aurai eu eh ben, des participantes. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Donc si je pouvais avoir entre 5 et 10 participantes, ça serait bien. Comme ça, je pourrais commencer le cahier. Oui, les lunettes, elles tombent avec la chaleur. Disons fin août, début septembre, parce que vous serez certainement tous, non, toutes et tous revenus de vacances. Comme ça, on démarrera à ce moment-là. Oui, moi, ce que je pourrais faire, c'est vous faire la page d'accueil là du cahier et vous la faire voir en vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne en réalité, si vous voulez. Donc, ben, n'hésitez pas à participer, hein. Comme ça, plus il y aura de monde à participer, mieux ce sera. Voilà, parce que c'est quand même. J'ai eu cette idée à la suite de la vidéo de Rose Bonbon Coco qui avait proposé le cahier voyageur. Le carnet voyageur, mais comme. Je sais pas, il y a eu un problème avec ma participation, la part sur le mail, enfin bref. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et comme on habite. Tous et toutes dans des régions différentes, j'ai dit tiens, un cahier des régions, ça serait bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, Marie-Rose, je t'ai envoyé ton lot. Oui, effectivement, j'avais oublié de t'envoyer l'enveloppe. Je l'ai trouvée dans le cabas où je mets toutes les enveloppes à envoyer parce que j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai pas un budget hyper large. Donc, je fais attention d'en envoyer que quelques-unes de temps en temps. Vous m'excuserez pour le retard après, hein, j'ai pas un budget extensible. Hein, voilà. Donc, toutes les gagnantes auront reçu leur lot. J'ai envoyé les enveloppes des gagnantes. Pour le lot, je m'excuse pour le retard. Je n'avais pas vu qu'elles étaient restées dans le cabas où je mets mes enveloppes à envoyer. Voilà, ce qui est normal quand même de m'excuser parce que bon, j'y ai pas vu. Et puis voilà, donc tout le monde aura son petit quelque chose, quoi, voilà. Donc pour le cahier, ben, j'espère que j'aurai beaucoup de participantes et de participants aussi, hein. Ça serait bien. Comme ça, moi, j'ai pris des cartes postales ce matin de la ville où j'habite, c'est-à-dire en Auvergne. Donc j'en ai pris quatre. Donc j'ai pris celle-ci. Il y a toutes les spécialités auvergnates. Voilà. Puis là, la ville où j'habite. Bon, bah, la pâtée auvergnate, ça, tout le monde connaît. Hein. C'est pour ça, si vous trouvez des petites cartes dans ce style, avec des recettes régionales,
n'hésitez pas à les mettre dans le cahier. Si pour les coller, ben vous achetez des coins, vous savez, les coins pour les photos. Ben vous achetez des coins comme ça, ou double face, pas trop épais, et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, vous faites une page. Dans la première page, vous pouvez vous présenter avec votre nom, votre adresse postale, votre pseudo YouTube si vous en avez un, puisque vous aimez, dans quelle région vous habitez, etc. Et terminé. Vous mettez pas de renseignements d'ordre privé. Non, non, ça c'est hors de question parce que ça vous regarde et ça regarde pas les autres. Et après, vous pouvez décorer les pages avec des photos que vous avez prises, des cartes postales comme je viens de vous faire voir, un tamponnage. Et vous pouvez utiliser entre 2 et 4 pages. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et à la fin de la dernière feuille que vous avez utilisée, vous pouvez mettre une petite enveloppe que vous aurez faite ou achetée, ça dépend. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse le tuto pour faire une enveloppe. C'était Scrapsuit qui avait fait le tuto là, pour faire une enveloppe soi-même. Et j'ai trouvé que c'était une super idée parce que c'est vrai que je ne savais pas bien faire les enveloppes. Donc maintenant, je sais faire les enveloppes. Voilà, donc j'espère que j'aurai beaucoup de participantes, hein, ça serait bien. Voilà, donc le concours commencera début septembre, à la fin des vacances, parce que bon, là, vous êtes en vacances, vous êtes avec votre famille et tout, donc ce qui est normal après, hein, voilà. Moi, je suis en vacances depuis vendredi, donc c'est cool. Ce matin, ça m'a fait drôle de ne pas aller au boulot. Et puis, voilà. Ah oui, ça, et puis autrement, eh ben... Donc, 2 à 4 pages, voire 5, voilà. C'est en fonction de, en fait, c'est à votre choix, voilà. Moi, je préférerais entre 2 et 5 pages, si vous voulez, pour faire le cahier. Alors, je redis pour celles qui étaient... Alors, je vais vous redire, après, je vous laisserai à votre, avec à vos occupations. Donc, la première page, eh ben, vous mettez votre nom, prénom, votre adresse postale, la région et la ville, où, la région où vous habitez, le département, et si vous voulez mettre votre photo, vous pouvez, mais c'est pas une obligation de mettre sa photo, hein, je tiens à le préciser, hein. Et ça va un animal de compagnie, vous pouvez mettre sa photo aussi, hein, c'est pas interdit, hein. Après c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le voulez, après vous mettez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Et puis vous pouvez décorer 2 à 5 pages, ou 2, ou qu'une, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Après la page de présentation, vous pouvez mettre une petite enveloppe avec, comme je vous disais hier, une petite ATC, une Humoridex, quelque chose qui se tienne, pas des breloques, parce que comme je vous disais hier, les breloques, après, ça a tendance à, comment dire, à se perdre, vous savez, parce que les breloques, ça a tendance à se perdre après, donc si la copinette qui le reçoit après l'autre, après, c'est dans l'enveloppe, ça va se perdre, donc voilà, et le tout, ben, en colissimo suivi, voilà. Donc ça sera, enfin, au début je pensais fin août et puis finalement je me suis dit non, début septembre ça ira très bien, comme ça, ça vous laisse le temps de revenir en vacances, de faire ce que vous avez à faire et puis de participer. Et vous pouvez même coller si vous le souhaitez une petite carte faite par vous-même et puis voilà. Donc eh ben, j'espère que ce projet vous aura plu, vous plaît, hein. Je vous remettrai mon adresse mail pour m'adresser, pardon, votre participation, hein, vous avez tout le mois d'août, hein, pour envoyer votre participation. Et puis j'espère que j'aurai de nombreuses personnes, ça serait bien. Parmi tous mes abonnés, il y a même bien entre 5 et 8 personnes, voire 10 à la rigueur, qui seront intéressées, voilà. Et puis voilà, donc je noterai sur mon calepin toutes les personnes intéressées, et puis voilà. Bon, ben en attendant, eh ben, restez bien au frais, vu la chaleur qui fait dehors, hein. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon après-midi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.